Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome de Vichy ce mardi 4 juillet avec les trotteurs en piste dans la 8e course du programme. Le prix de Châteldon dans cette première réunion prévue bien entendu à 18h. On va regarder un petit peu les conditions. On a affaire à des chevaux de 7 et 8 ans n'ayant pas gagné 105 000 euros. On a un lot assez modeste, hein. C'est vrai que le Grand Prix du Conseil municipal aurait dû être support de Quintet, mais ils ne sont que 11, du coup ce sera un pic 5. En tout cas, cette course est une très belle course, le prix du Conseil municipal, ne la ratez pas si vous avez l'occasion. En attendant, le Quintet met haute prise, un lot assez modeste, 16 concurrents sur 2800 mètres avec un départ donné à l'aide de l'autostart. Un lot assez homogène et pas forcément très évident à déchiffrer, hein, dans cette compétition. Du coup, j'ai fait confiance à la forme avec le numéro 7 Giant Madric, un cheval qui réalise une très belle première partie de saison. Comme vous le voyez à sa musique, il est vraiment irréprochable. Alors je pense pas que ce soit le meilleur en valeur pure, mais c'est l'un des rares qui est en forme, hein. Vous regardez, hein, celui à rentrer 0, 0, 8e, distancé, 8e, 7e, distancé, 0. Bon, on n'a pas des chevaux forcément dans une forme extraordinaire. Et puis ceux qui sont en deuxième ligne, ça va pas être évident non plus avec certains numéros en dehors. Quoi qu'il en soit, ce numéro 7, Giant Madric, il est en forme. Il est confié à Mathieu Abrivard et puis c'est un excellent droitier. Il reste tout simplement sur 3 victoires corde à droite. Donc on ne peut pas rêver beaucoup mieux pour ce concurrent confié à un homme en forme. Pour moi, si ça se passe bien, c'est l'un des prétendants à la victoire. Ensuite, j'ai retenu le numéro 6, hein, Gaspard Delou. Alors Gaspard Delou, c'est un bon cheval. Ses deux dernières sorties sont pas extraordinaires si on fait le papier strict maintenant. C'est un cheval qui a des références à faire valoir et puis surtout, son entraîneur fait le déplacement. Alain Laurent, qui vient dans la région uniquement pour Gaspard Delou, ça incite à la plus grande méfiance. Il est déféré des quatre pieds. L'engagement est excellent, hein. 104 000, 115 euros, c'est le plafond à 105 000. Il a même pas 1 000 euros du plafond. Pour moi, la course a été visée. Voilà, le seul petit bémol que j'ai envie de vous dire, c'est peut-être ses deux dernières performances. Mais en théorie, s'il est suffisamment affûté, pour moi, il devrait lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 15. Je suis parti en seconde ligne avec ce Gold d'Alouette que j'aime beaucoup. Maintenant, il a un numéro pas forcément très favorable. Sur 2800 mètres, ça m'embête un petit peu moins, mais c'est quand même pas forcément évident à négocier, surtout qu'ils sont 16 au départ. Il faudra que ça se passe bien au départ et pendant le parcours, parce qu'il faudra quand même tenter de se rapprocher. Du coup, voilà, il y a du pour et du contre. Maintenant, sa dernière sortie m'a vraiment beaucoup plu, hein. Vous allez le voir, c'était le Prix du Forez le 22 juin, c'était il y a quoi? Il y a 2 semaines. Il courait vraiment bien. J'ai beaucoup aimé sa fin de course. C'était sur 2150 mètres, il sera certainement mieux sur 2800 mètres. D'ailleurs, je crois qu'il a couru 4 fois sur ce parcours pour 2 victoires. Donc voilà, les statistiques parlent en sa faveur. Maintenant, comme je l'ai dit, ça va être une question de parcours. Mais en théorie, vu le regain de forme qu'il vient d'afficher, moi je le pense capable de monter sur le podium. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 3 Guerrier Ludois. Voilà, typiquement le genre de cheval, de chevaux qui sont difficiles à cerner. Pourquoi? Parce qu'il reste sur 2 tentatives assez moyennes. Maintenant, l'engagement est favorable. On fait appel Jean-Michel Bazire. Il est dans sa catégorie. On ne sait pas trop quoi en faire. Honnêtement, je l'ai retenu parce que c'est Jean-Michel Bazire. Stéphane Bourly a 3 partants dans cette compétition. S'il fait appel Jean-Michel Bazire, c'est certainement qu'il y croit. Alors le cheval sera ferré. Ça aussi, c'est un petit point négatif. Mais bon, on fait pas appel Jean-Michel Bazire pour faire le tour, donc on est obligé de le retenir, de lui faire confiance sur la foi de ce qu'il a déjà fait par le passé. C'est un cheval qui est dans sa catégorie également, qui a largement les moyens de faire l'arrivée. Maintenant, où en est-il exactement? Ça, seul son entraîneur le sait. L'appel à Jean-Michel Bazire, pour moi, c'est un signe de méfiance qu'il faut prendre en compte, et c'est pour ça que je l'ai retenu en quatrième position. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 10, Gadsem. Alors Gadsem, un petit peu le même profil que Gold d'Alouette. Il a terminé septième, hein, derrière son rival en dernier lieu, le Prix du Forez. J'ai beaucoup aimé, hein, sa fin de course. Il n'a pas forcément été très chanceux durant le parcours. 2150 mètres, c'est pas sa meilleure distance. Là, pour un numéro en deuxième ligne, je trouve qu'il n'est pas si mal loti que cela. Il va s'élancer derrière Granit Paco, mais surtout, il va pas s'élancer en dehors en seconde ligne. Et ça aussi, c'est un avantage. Il va se retrouver certainement dans la seconde moitié du peloton, mais il va se retrouver en dehors. Et ça, c'est un avantage. S'il doit prendre un wagon 3, ça va être beaucoup mieux pour lui. Il est confié à Sébastien Hardy, un homme que j'aime beaucoup, qui va certainement le préserver durant le parcours. Voilà, il a déjà bien fait en étant ferré. C'est un cheval qui a quand même des références à faire valoir. On est dans la région, on poursuit dans la filière. Pour moi, si ça se passe bien, c'est un cheval qui est capable de brouiller les cartes. En tout cas, moi, j'aime beaucoup sa candidature. C'est un outsider qui me plaît tout particulièrement.
Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 13, Gorlando Ludois, un cheval qui court rapproché, hein. Vous allez le voir, la course référence, il avait terminé derrière Gold d'Alouette et devant Gadsem. Et puis auparavant, il a gagné sur ce parcours le 3 juin devant Gabin du Rocher. Donc voilà, bon, il partait en première ligne, là il est en seconde ligne, mais l'aptitude au parcours, il vient de montrer sa forme aux trois montées. Voilà, l'un dans l'autre, j'aime pas mal sa candidature. Il est déféré des quatre pieds, c'est un cheval qui apprécie ce parcours, il l'a prouvé, qui est dans une bonne condition physique. Par rapport à certains concurrents, il a quand même pas mal de garanties en sa faveur. Donc voilà, le seul petit bémol, on va dire, c'est qu'il s'élance en seconde ligne. Derrière, Full Dream, il a le numéro 13, il va s'élancer derrière le 4. Maintenant, pour une petite place, on est obligé de le retenir. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 2 Granit Paco. Il a couru une course sur référence où il n'y en a aucun à l'arrivée. Regardez, le 28 juin, derrière, il y avait Galopin de Blo, Gabin du Rocher, Granit Paco et Guerrier Ludois. Il n'y a aucun des quatre concurrents. Maintenant, ils étaient à une cote d'outsider en même temps. Fallait pas s'attendre à les voir faire l'arrivée, mais Granit Paco, j'ai revu sa course et franchement, il court pas si mal que ça. Il finit non placé, mais derrière les concurrents placés dans un lot qui a été assez groupé à l'arrivée. Donc du coup, c'était pas si mal que ça. Auparavant, il avait réalisé deux bonnes sorties qui montraient qu'il était quand même en bonne condition physique. Il est quand même régulier dans l'ensemble. C'est très très rare qu'il ne soit pas à l'arrivée. En général, même s'il n'est pas dans les cinq premiers, il est sixième comme vous le voyez. Donc un cheval qui découvre un engagement favorable, qui est dans sa catégorie, qui a mieux couru que ne l'indique son classement dernièrement. Attention. Moi j'aime beaucoup Pierre Calier, c'est un homme habile et c'est vrai qu'il réalise de belles choses dans la région et pour le coup, mieux vaut s'en méfier, moi je l'ai retenu en septième position. Et enfin en huitième position, j'ai retenu le 8, Galinette Bleue, une jument qui se présente en pleine possession de ses moyens. Maintenant, elle a le numéro 8 en dehors. Je pense que c'est une jument qui est meilleure en attendant. C'est le seul petit qui allait ferrer, bon elle a déjà bien fait ferrer, mais je crois qu'elle a couru une seule fois sur ce parcours. Elle a fait l'arrivée, elle avait même peut-être gagné si je ne me trompe pas. Ça fait un moment qu'elle n'a pas été revue sur ce parcours, bien entendu, mais quoi qu'il en soit, c'est une jument qui est bonne droitière et qui est en pleine possession de ses moyens. Je pense qu'elle aurait eu le numéro 3, 4 ou 5. Je l'aurais retenu dans les 5-6 premiers. Là, avec le 8 et 16 partants. Je ne sais pas ce que va faire son partenaire. S'il démarre et qu'il arrive à se placer, ça peut être intéressant. S'il y en a qui sont plus rapides que lui au départ, ça peut être un petit peu rédhibitoire. Donc voilà, c'est une question d'impression, une question de parcours. Moi, j'ai retenu en 8e position, mais si elle venait à finir dans les 5 premiers, il n'y aura pas à crier au scandale. Et enfin, en cas de non partant, bah, j'ai retenu le 16, hein, Jenny Speedy Cat. Pareil, un petit peu que le numéro 8, Galinette Bleue, pas un super numéro, mais la forme est là. J'aime beaucoup René Corbin, c'est un homme habile, déféré des quatre pieds. C'est une jument qui reste sur une troisième place du côté de Pontchâteau, la forme est là également. Maintenant, avec ce numéro 16, il faudra vraiment que ça se passe comme dans un rêve, parce que un numéro en dehors, en seconde ligne, c'est pas comme un Enghien ou le numéro 16, c'est rédhibitoire à mon sens. À Vichy, on peut revenir de l'arrière plus facilement. Mais faut trouver les bons dos, faut avoir le bon wagon pour se rapprocher. C'est le seul petit, donc voilà. Pour moi, c'est plus un regret qu'autre chose. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 7 que j'ai retenu en tête, Giant Madrick devant le 6, Gaspard Delou en troisième position, le 15, Gold d'Alouette devant le 3, Guerrier Ludois, le numéro 10, Gadsem en cinquième position devant le 13, Gorlando Ludois, en septième position le 2, Granit Paco devant le numéro 8, Galinette Bleue, et en cas de non partant le 16, Génie Speedy Cat. En conseil de jeu, bah écoutez, pour moi, le 7 Giant Madrick, comme je vous l'ai dit, présente beaucoup de garanties. La forme, l'aptitude corde à droite, Mathieu Abrivard, pour moi, tout pour plaire. Pour la victoire, il faudra que ça se passe bien. Mais avant le coup, difficile d'aller contre sa candidature. Gaspard Delou, c'est un cheval qui est dans sa catégorie, qui a montré qu'il était capable de bien faire dans cette catégorie, qui est dans sa catégorie, donc bien fait, capable de bien faire dans cette catégorie. Mais surtout, son entraîneur qui fait le déplacement et qui le défère des quatre pieds, pour moi, c'est plus qu'un signe de méfiance, c'est un signe de confiance. Et puis en troisième position, j'ai retenu le 15 Gold d'Alouette. Faudra que ça se passe bien, mais sa récente fin de course m'a beaucoup rassuré et je pense qu'il est capable de confirmer malgré ce numéro en dehors en deuxième ligne. Et pour une petite place, enfin pour une petite place, si ça se passe bien, pour une place sur le podium, si ça se passe un peu moins bien, je vois plus pour une 4-5e place, mais avant le coup, pour moi, c'est un cheval qu'il faut vraiment retenir très haut dans une sélection. Donc 7, 6 et 15, mes trois préférés dans cette épreuve. On va faire un petit tour du côté du prix de la Barberie, hein, le quinté plus de ce dimanche à Deauville, avec le numéro 10 Aska qui s'impose devant le 16 Zayana. Franchement, je l'aurais jamais retenu avec un palmarès aussi peu fourni, mais qui surprend agréablement. Le 13 Gracian Bonanza qui répond une nouvelle fois présent devant le 9
I'm a Believer, le 3, Sea Breaker, c'était l'autre Pantal qu'on s'attendait à voir, mais celui-là court très très bien, mine de rien, pour ses premiers pas dans cette catégorie. Donc voilà, c'était pas forcément évident d'indiquer quelque chose dans le quintet, mais on a quand même un trio du côté de Top Prono et puis plusieurs coups de cœur à l'arrivée dans cette journée du dimanche 2 juillet. Vous pouvez d'ailleurs tester nos deux rubriques, un Top Prono et Turf Sélection à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain. Ce sera, je crois, du côté d'Anguin en compagnie des trotteurs. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.